Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, je vous présente aujourd'hui le nouvel iPhone 13 Pro Max que je viens de recevoir. Alors je vous le déballe rapidement. Vous voyez, il y a nettement moins de plastique qu'avant, il n'y en a plus du tout. Il y a deux languettes qui permettent d'ouvrir la boîte et une fois qu'on les a retirées, détachées, on peut ouvrir la boîte assez facilement. Il faut être prudent quand même de ne pas laisser tomber le téléphone. Comme vous le voyez, les optiques sont vraiment plus grandes que celles de l'iPhone 12 Pro Max. Et vous le voyez aussi, il n'y a plus du tout de plastique qui emballe ce téléphone. Il n'y a plus que cette feuille de papier qu'on enlève avec beaucoup de facilité et toujours autant de plaisir. Alors on a vraiment un très bel appareil. La finition bleu ciel est vraiment très très belle. J'avais le bleu nuit l'année dernière, mais cette couleur est vraiment super. Alors voilà, l'appareil démarre tout à fait facilement. Le contenu de la boîte, bien un peu comme d'habitude, il n'y a plus de chargeur depuis déjà deux modèles. Les petites documentations qui accompagnent avec la petite, le petit poinçon qui vous permettra d'ouvrir la carte SIM, le petit loquet de la carte SIM, et un seul autocollant au logo Apple. Il y a bien sûr un câble USB-C Lightning qui vous permettra de recharger ce téléphone. Alors c'est un petit peu dommage, c'est toujours un Lightning, mais on le comprend parce qu'il y a plein d'accessoires qui fonctionnent toujours avec ce format. On va maintenant se focaliser sur la carte SIM. Alors vous enlevez le petit poinçon qui va vous servir à déclipser le tiroir qui contiendra votre nouvelle carte SIM. Le tiroir se trouve sur le côté gauche de votre téléphone. Enfoncez fermement le poinçon. Le petit tiroir éjecte environ 1 mm d'espace où vous pouvez utiliser votre doigt afin de le retirer. Vous mettez de côté. Ensuite, vous récupérez votre carte SIM, qu'on appelle aussi nano SIM dans ce cas-ci. Vous la retournez et vous la faites correspondre à la petite encoche sur le côté gauche, ce petit côté biseauté. Et vous faites re-rentrer le tiroir avec un petit clips. Et voilà, le tour est joué, aussi simple que ça. J'ai été très heureux de vous présenter ce nouvel iPhone 13 Pro Max. Et grâce à cette vidéo, une série va suivre où je vais vous expliquer comment configurer pas à pas votre nouvel appareil. Que ce soit après avoir réinitialisé votre téléphone ou après en avoir acheté un nouveau, comme aujourd'hui, eh bien, vous allez apprendre comment pouvoir configurer de A à Z votre nouvel iPhone en créant un compte iCloud, un compte App Store et de vous permettre de configurer la sécurité aussi sur votre téléphone. Alors pour rester au courant des dernières nouveautés de la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. À très vite !